France. 7h-9h, Europe 1 Matin. Le livre du jour, Nicolas Carreau, ce matin. C'est un petit poche, vous nous parlez du roman de Stéphane Carlier. Clara Lee Proust, c'est le titre qui vient de paraître chez Folio, l'histoire de Clara, mais ça commence chez Cindy. Cindy Coiffure, c'est un salon de coiffure, donc celui de Jacqueline Habib, née Delage, un beau personnage, Jacqueline, fan de Jacques Chirac, parce qu'il est beau. Quand elle décroche le téléphone du salon, vous savez, elle enlève d'abord sa boucle d'oreille droite à clips avant de poser le combiné sur son oreille. On est en Saône-et-Loire, le salon... Oh bah c'est pas un Jacques Dessange ou un Jean-Claude Biguine, hein. C'est un petit salon de quartier qui survit grâce à ses habitués, mais qui au moins, et c'est la fierté de Madame Habib, n'a pas cédé à la tentation d'un jeu de mots avec tif. Oui, qualitatif, prototif, etc. Exactement, ça existe aussi avec R, Voltaire, Rocker, on les connaît. Mais enfin, c'est un problème quand même ce nom, Cindy Coiffure, puisque Cindy c'était la fille de l'ancien propriétaire. Bref, je passe là-dessus. Dans ce salon, il y a Nolwenn aussi et Patrick. Et puis Clara, donc Clara ça va, franchement elle est jeune, 23 ans, elle est chouette, elle vit avec un chat qui n'aime pas les caresses, et elle est avec JB, pompier beau gosse, qui se fait draguer par Jacqueline d'ailleurs quand il passe au salon. Mais bon, elle est plus trop amoureuse en fait, et sa vie est un peu trop réglée, sans trop de relief, un peu morose. Mais quel rapport avec Proust ? Ça arrive. Un jour, un client oublie un roman dans le salon, un livre de poche, c'est Du côté de chez Swann, le premier tome de À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Le client n'est jamais repassé, et Clara a rangé le bouquin dans un tiroir. Et puis un jour, elle s'y met. Et tout à coup, un peu comme si elle avait croqué dans une madeleine, l'ambiance, les décors, les ombrelles, les robes la téléportent dans son enfance. Elle revoit un tableau familier de chez sa nourrice. Elle continue, elle a un peu de mal au début avec les phrases à rallonge, les imparfaits du subjonctif, les digressions, mais elle s'accroche et ça l'obsède. Elle pense à Combray, le village de Proust, comme si c'était chez elle. Elle manque son arrêt de bus pour la première fois. Elle vit maintenant dans la recherche. C'est tout un monde qui s'ouvre et cette lecture va changer sa vie, mais pour de vrai. Comment ? Bah ça, il faut lire pour savoir. C'est un hommage à la littérature, vous avez compris, à son pouvoir, à sa capacité de changer les points de vue sur le monde. Mais pas seulement, les personnages sont aussi très drôles, très bien dessinés. C'est réjouissant. Clara Lee Proust, donc livre... Stéphane Carlier. Stéphane Carlier, merci beaucoup. En format poche, merci Nicolas Carreau. La sortie de la semaine à présent, direction Bourges, avec vous Marie Jiquel. La 48e édition du Printemps de Bourges a commencé mardi, elle dure jusqu'à dimanche. On attend 250 000 visiteurs. Vous avez assisté à l'une des premières soirées hier, c'est une création qui s'appelle Message personnel. C'est un hommage à Françoise Hardy. Oui, alors cet hommage, c'était presque une pause enchanteresse hein, dans ce printemps où on entend les basses tout le temps. Un printemps qui se lançait hier en plus en grande pompe avec des scènes assourdissantes, électro-pop-rock, avec Kyo, le DJ Martin Solveig et Mika, face à un public, vous l'imaginez, déchaîné. Et puis, il y avait ce moment suspendu... En début de soirée, cet hommage à Françoise Hardy orchestré par l'artiste sage de l'ancien groupe Revolver. Une scène à l'ambiance intimiste portée par la nouvelle génération française avec Clara Luciani ou Zao de Sagazan entre autres. Des artistes presque timides, humbles face au répertoire de Françoise Hardy à l'aura puissante. Alors cela faisait longtemps que le Printemps de Bourges désirait cet hommage. On va écouter le directeur du festival, Boris Vedel. Alors Françoise Hardy est très attentive à cette création. Vous savez qu'elle est malade, elle s'en cache pas. Et moi, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est que l'un des derniers messages qu'elle nous est transmis, c'est « mettez-y de l'humour ». Voilà, il y a un répertoire, il y a des chansons. Elle prend la parole pour d'autres sujets, plus graves, et qu'elle parle d'humour, je trouve ça assez fascinant. Si tu crois un jour que tu m'aimes. Vous l'avez compris, des reprises de Françoise Hardy, mais cette sélection ne comprenait pas les chansons les plus connues de Françoise Hardy. Sage a décidé de mettre en avant des titres plus mélancoliques comme La Question, issue de l'album du même titre, hein, qui serait l'album préféré d'ailleurs de Françoise Hardy, et d'autres titres comme Un peu d'eau ou Ma jeunesse fout le camp. Au départ, j'avais fait ma sélection de chansons et puis j'ai reçu un mail de Françoise Hardy m'envoyant une liste de 50 morceaux et me disant « Voici pour moi les 50 chansons que personne ne reprend jamais et qui doivent être absolument reprises. » Il n'y avait pas une seule que j'avais choisie. Et c'était que des chansons toutes plus obscures les unes que les autres. Et beaucoup de chansons qu'elle avait composées et écrites elle-même aussi. Et je pense qu'elle avait envie qu'on mette l'accent aussi sur cet aspect-là de son art. Voilà un hommage réussi face à un public très sage, presque hypnotisé. Un hommage touchant et gracieux à l'image de Françoise Hardy. Un message personnel, hommage à Françoise Hardy. Et un autre hommage ce soir, toujours à Bourges, hommage à Bob Dylan, cette fois-ci mené par la chanteuse américaine Cat Power. Et le Printemps de Bourges, c'est jusqu'à dimanche. Voilà les amis, merci d'être venus nous voir ce matin. Revenez quand vous voulez, bah, dès demain par exemple, très bonne idée.